Bonjour à tous, le moment que vous attendiez tous, une vraie partie de Six Siege The Board Game, et avec qui en plus, avec deux invités qui sont les plus grands spécialistes certainement de ce jeu, à savoir les deux développeurs de ce jeu, qui est donc Marc Lagroix. Bonjour à tous. Qui est auteur de Steam Watchers également, et qui a développé Six Siege, et JB Gaillet, qui était développeur sur Steam Watchers, et qui a donc développé Six Siege également. Donc, le principe, c'est vraiment de vous montrer une partie réelle, c'est-à-dire une partie faite par des gens qui ont l'habitude, qui connaissent les règles, et qui jouent, et pas scripter la partie, ça va être une vraie partie, et qui donc, ils vont pas forcément commenter tout en détail, c'est pour ça que je suis là, je serai là pour éventuellement donner quelques petits commentaires. Ils ont choisi le scénario de la bombe, qui se passe donc dans le consulat d'Abidjan. Et donc, ils ont choisi d'être attaquant pour Marc, défenseur pour JB. On a préféré faire le déploiement hors caméra pour rentrer tout de suite dans le cœur de l'action. JB, as-tu des remarques ou des précisions à faire ? J'ai fait mon déploiement, donc à peu près une quinzaine de minutes, un peu moins. Et j'ai mis les 5 caméras, les barbelés et les accès renforcés, les jetons d'accès renforcés. Sur la carte afin de protéger, donc on se passe sur les deux bombes qui sont ici, donc on est plutôt sur cette partie de la carte, on va dire. J'ai également rajouté dans mon arsenal deux caméras blindées, il y en a une ici et il y en a une autre ici. Après j'ai déployé mes 10 opérateurs cachés représentant 5 vrais et 5 faux de manière un peu mystérieuse, hein. Marc va devoir sonder un peu à coup de drone. Le but, justement, c'est de ne pas donner dans les commentaires des indices pour l'autre joueur. Donc, c'est pour ça qu'on se contente vraiment des infos minimum que vous devez savoir. Et toi, Marc, donc, tu as déployé aussi tes attaquants ? Voilà, mes 5 opérateurs attaquants. J'ai fait 2 groupes, très clairs, de part et d'autre de la carte. Et j'ai laissé Twitch seul à un autre côté de la map pour qu'elle soit en soutien, qu'elle brouille un peu les pistes. Je suis prêt à rentrer. Qu'est-ce que tu as choisi comme équipement dans ton inventaire tactique ? Alors, j'ai les 3 drones qui sont automatiques, et sinon j'ai un inventaire plutôt varié, avec une grenade à fragmentation, 2 grenades fumigènes, une charge de démolition et une grenade flashbang. Vous êtes prêt à partir ? Tout à fait. Nous jouons avec l'application, et vous êtes dans le mode standard ? Standard. Donc, ça veut dire que ils auront en moyenne 1 minute par opérateur, c'est-à-dire 5 minutes pour jouer leur tour complet. Donc, ils vont jouer avec le timer. C'est pour ça qu'on va éviter de les déranger trop pour qu'ils soient vraiment dans la partie. Et ben voilà, s'il y a des morts, notre temps diminuera. Donc là, on est dans une partie un peu stressante. On a chacun un temps limité pour jouer. Il va falloir faire des erreurs. Il va falloir être rapide à réagir en fonction du jeu de l'autre. Notre temps est limité. Eh bien, c'est parti. Et si c'est parti, on va lancer. Donc Marc étant déployé, il a fini son déploiement. C'est au défenseur en fait d'appuyer sur la bascule pour lancer le tour de l'attaquant, ce que je fais immédiatement. Hop, et il a 5 minutes. C'est parti. C'est parti. Alors je vais commencer par activer Sledge. Donc ça c'est quelque chose que j'avais prévu dans mon déploiement. On verra si la suite se passe comme je le souhaite. Sledge qui est ici. Avec sa capacité spéciale, je vais détruire à la fois la barricade qui est là et le barbelé qui se trouve de l'autre côté de la barricade. Joli, ça. Action faite, je perds mon marqueur de surveillance. Je vais maintenant, sans bouger d'ici, lancer une grenade à fragmentation ici. Je valide ta ligne de vue. Hop, donc j'utilise ce cube. Hop, cette grenade a pour effet dans un... toutes les cases adjacentes. Voilà, sur les 9 cases qui sont autour de faire... Pardon. Dans l'autre sens. Hop. Donc tu viens de retirer... Je viens de retirer une barricade avec une grenade. Et une caméra aussi, qui se trouvait ici. Hop, Sledge va maintenant se déplacer. 1, 2, 3, 4. Il se retrouve à l'étage. J'ai terminé, j'ai fait mon déplacement et mes 2 actions supplémentaires, donc je m'arrête avec Sledge. Je vais continuer avec Termite. Hop, ici, Termite que je vais déplacer. J'enlève donc son marqueur de surveillance. Je le déplace comme ceci. 1, 2, 3. D'ici, je stoppe mon mouvement pour déployer un drone
j'utilise un drone dans mon inventaire tactique. Je vais vous montrer le déplacement du drone. Je le place dans une case adjacente. 1, 2, 3, 4, 5. Arrivé ici, il va révéler l'ensemble des opérateurs. Donc là, nous avions un faux bandit et nous avons un vrai pulse. Donc, le faux pulse, le vrai pulse va être remplacé immédiatement par sa figurine. Et on va enlever le jeton du faux pulse qui se trouvait à côté. Je précise aussi que pendant cette petite manipulation de changement, etc., on a arrêté le timer, évidemment. Voilà. Et donc là, le faux bandit, la figurine du vrai bandit, et je le mets là. Alors, en plus de m'être fait révéler, je suis localisé par le drone. Donc je me rajoute ce petit marqueur. Donc j'enlève le jeton drone hein, qui était là juste pour marquer le déplacement du drone. Je relance le temps. Il me reste donc deux déplacements avec, avec deux cases en fait. Donc je vais revenir en arrière, 1, 2. Et je vais me mettre en surveillance. Là tu fais l'action surveiller. Alors, donc c'est ma première phase d'activation. J'ai encore la possibilité d'activer un troisième opérateur. Je vais activer H qui est ici. Comme Pulse est localisé, H le voit à travers les deux. Tu vas tenter un tir. Ouais, je te mets en pause. Voilà. H va tirer à travers cette barricade et à travers ce mur léger qui est ici. Voilà. Puisque Pulse est localisé. Donc je compte. Avant de tirer, je vais faire 1, 2. Je me place ici, j'enlève ça, voilà, et donc je fais un tir à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, c'est un très bon range pour H, puisqu'elle lance 2 rouges, 1 orange et 1 jaune. Moi, je bénéficiais d'une protection lourde, parce que mon tir passe à travers 2 protections légères, et se cumule jusqu'à un maximum de 3 impacts en réduction. En l'occurrence, donc j'ai une protection lourde qui m'enlèvera 3 impacts. Alors, c'est pas terrible. J'ai fait 1, 2, 3, 4... Je prends une petite blessure ou t'as envie d'utiliser ton unique relance, Marc? C'est un lancer de dés très décevant, alors je vais utiliser ma relance. Unique relance de la partie. Il a envie de me tuer. Alors quand on relance tous les dés. Hein, oui. On relance pas juste dés par dés. C'est beaucoup mieux. Je fais donc 6, moins 3, pulse ça donc... 3 PV en moins, alors sachant qu'il a une petite plaque de Rook, alors dans mon équipe j'ai Rook, qui donne à tous les autres une plaque de blindage. Donc du coup il prend 2 PV et un autre avec ça. Il lui restera 2 points de vie. Je relance le timer, je vais terminer mon mouvement avec H qui va faire, donc qui avait fait 2, 1, 2, 3, 4, qui va rejoindre Sledge ici et qui va se mettre en surveillance sur un accès. Je vais choisir celui-ci. Et je passe le tour à JB. Très bien. Je vais activer Rook. Qui va enlever sa position penchée. Ça lui coûte 1. Point de mouvement. 2, 3, 4, 5. Et en se penchant. Voilà. Et il va... Donc là, j'ai fait 5 de mouvement. Je vais m'arrêter là avec Rook, il va surveiller. Mais est-ce le vrai Rook? La thermite, il est très très méchant, il m'embête bien. Donc Pulse étant localisé, il peut pas trop bouger sans avoir des soucis un peu dans la vie, c'est un peu le souci. Mais on va s'en sortir, parce qu'on est confiant dans la vie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer notre ami Smoke. Ouais, notre ami Smoke. Tu vois ce qui t'arrive dans Smoke est à l'étage. Donc Smoke, je vais le révéler, il n'est pas ici. En fait, Smoke, il est là. Donc notre ami Smoke va aller ici, on enlève tout ceci. Et donc notre ami Smoke va commencer par utiliser une de ses actions spéciales, qui est de jeter un gabarit qui va lancer un nuage de gaz toxique. Va le lancer. Dans un accès, dans un voilà, des accès. Donc, ah. Un accès qui n'est pas surveillé en l'occurrence. Ça c'est pas mal de mettre Smoke à l'étage et de balancer... Smoke à l'étage c'est une valeur sûre. Ah, ouais. Là tu peux pas. Je peux pas faire ça. Donc c'est forcément là en fait qu'il va si j'ai envie. Donc il va faire ça. Alors Smoke a fait ça, sa deuxième action, donc après il va descendre en fait, il va utiliser un point de mouvement.
Donc, il va descendre ici, mais vu qu'il fait une action dans le nuage de gaz, pour chaque action que tu mets pause, ouais, pour chaque action qu'il entreprend dans ce nuage de gaz, et bah, il risque de se prendre des dommages. Et là, en l'occurrence, il se prend rien du tout. Il s'en tire bien. Donc là, il a fait un mouvement. Il va faire un deuxième point de mouvement pour se mettre ici. Il va te tirer dessus. Donc on va faire. Oh là là, bout portant. Pause. Mon ah dieu. Ah ouais, ça, c'est la et vie. Il hein. pointe le flingue sur la tête. Là. Donc voilà, moi j'ai quand même deux rouges. Donc un c'est orange, des balas blancs, donc ça va. Et un jaune. Je perdrais le jaune si toutefois il devait avoir un couvert. Il n'en a pas. Hein, ça va faire pouf mallette, comme on dit, hein, par chez nous. Hein. Ça va être dur pour. Voilà, bon, au revoir. Hein, il s'est fait repeindre. Oh là 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 là. Donc voilà, moi j'avais fait deux mouvements. Premier opérateur éliminé. C'est donc Thatcher. Thatcher. J'avais fait deux mouvements. Et je vais faire 3, 4, 5. Donc là, il a fait ses deux actions, notre ami Smoke. Je vais activer Tachanka. Activation du grand Tachanka. Grand Tachanka. Le grand Tachanka va se révéler, lui aussi, ma foi. Donc il est ici. Donc j'enlève tout ceci. Ouais, il est aux toilettes. Il est aux toilettes. Il va faire 1, 2, 3... Alors, j'ai besoin d'être à 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est parfait. Donc, il était là, il a fait 1, 2, 3 cases de mouvement. Il lance une grenade à percussion qui fait des dégâts orange. Et en fait, bon, j'ai pas besoin, il fallait juste des dégâts jaunes, mais moi j'avais envie de tout casser d'un seul coup. Donc, je vais tout casser ici. Ça, c'était sa première action. Il a fait 3 mouvements. 4. Et se mettre en surveillance. Voilà. Oui. Ton temps est écoulé. Mon temps est écoulé. Très bien. Aïe, 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 je me disais aussi. J'ai pas surveillé le temps. Eh oui. Bon bah... Smoke a fait un joli coup, mais il a passé du temps à le préparer. C'est très dommage. Il ne pourra pas. Voilà, ne pourra pas. Donc le temps... C'est la vie. C'est dur. La vie. Ça va être même très dur, ma vie, je pense. Twitch va donc s'activer. C'est la dernière opératrice que je vais pouvoir activer. Qui pourrait aller se venger sur Smoke, tout simplement. Qui a tué son compatriote. On va remettre les pendules à l'heure. Je vais donc me déliner. Donc un premier point de mouvement. J'enlève Overwatch. 1, 2, 3... 4. Je fais attention quand même à la ligne de vue de bandit qui est là, qui pourrait décider de me tirer dessus au passage. Là, je suis à 5. Ça me va bien. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait une ligne de vue, mais bon. Sur Smoke, t'es pas sûr. Alors, non, sur Smoke, oui, mais sur. Sur Bandit... Si je m'approchais encore un petit peu... Il y a un petit risque. Il y a un petit risque. Je crois pas, mais bon. Tu connais bien ta ligne de vie, alors. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour Twitch, c'est 2 rouges, 1 orange. Ça va faire mal, hein. On va pas se le cacher. Hein. C'était prévu qu'il tue, mais non. Ben voilà, il est mort. Hein. On va voir Smoke. Hop. Alors quand Smoke... Il a pris combien de blessures, hein, tu m'as dit 6 Il en a pris 3 et 4, 7. 7. Il avait 6 points de vie grâce à la plaque de Rook. Donc il décède. Il est quand même mort. Donc je le retourne sur sa face. Et tu retournes. Tu retires même ça. Retire même ça, histoire de ne pas confondre. Ah, tout à fait. Notre ami Twitch va terminer son activation par un over. Enfin, par une action surveillée. Se remettre en surveillance, je pense. Et donc je termine mon tour. Mm-hmm. Fin du tour. On passe donc. Donc on a chacun eu une petite perte. Donc. Eh oui. Donc on va noter un mort de chaque côté. Enfin, un joueur. Donc la bonne réflexion a permis d'éliminer un opérateur, mais elle s'est faite au détriment du temps et elle a coûté la vie à un autre opérateur. J'avoue que je n'ai pas surveillé le temps qui n'était pas sous mes yeux et je me suis laissé déconcentrer parce que là j'en avais pour 10 secondes. Hein. Je sautais, je tirais, c'était réglé, tu vois. Voilà, j'ai. Je l'ai pas vu. Donc voilà, on a lancé, on a enlevé un opérateur de chaque côté, donc on a plus que 4 minutes chacun pour le prochain tour. Oh, ça va aller encore plus vite. Donc, avant ça, on peut faire l'entretien, c'est-à-dire que le nuage de Smoke
revient dans la réserve générale, ainsi et que le marqueur localisé. Le marqueur localisé, bon, ouais. Sachant que Smoke est décédé, je pense que je n'aurai plus trop le loisir, hélas. On est prêt, Marc? On est prêt. C'est parti. Je vais faire de mon mieux. Prochain tour. Lancer le tour 2. C'est parti. T'as peur pour Pulse, c'est ça? Je suis tellement pas beau. C'est légitime d'avoir peur pour Pulse. Il est déjà mort, en fait. Mais en fait, Bandit est déjà mort aussi. Je crois que ça va mal se passer, cette partie, Marc. Cette petite erreur twitchienne me coûte très très cher. Donc Marc a deux opérateurs à l'étage. Donc ça veut dire qu'il va être capable à tout moment en fait, de descendre par l'une des cases d'accès et de me surprendre. Il n'y a que les cases d'accès qui sont surveillées. En l'occurrence, je n'en surveille plus une seule. Ça aurait pu me protéger. Voilà. L'étage, Marc c'est a la possibilité de descendre par ici, de descendre par ici. Voilà, donc s'il descend par là, il surprend des gens dans le dos. Voilà. Ne lui donne pas de bonnes pas. Idées. Il les connaît, les bonnes idées. D'autant que de mon côté, je vais devoir me dépêcher de jouer. Je vais descendre. Mm-hmm. Je vais descendre avec Sledge pour commencer. Hop, je vais descendre ici. Donc ça fait. Donc je vais être localisé parce que je descends là. Il y a deux caméras. Faire, je vais faire un, deux. Je vais tirer sur la barricade pour l'enlever et je vais tirer sur Pulse. Alors il ne fait pas deux fois l'action tirer, hein, il fait l'action détruire. Une action détruire et une action tir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 avec. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mal compté. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, 6, ça c'est 6. Donc c'est 2 oranges. Qu'est-ce que jaune. Tu m'annonces comme protection, Marc? Je vais annoncer une protection légère pour. J'annonce une protection légère. Bon allez, je valide. Ah, je suis un pro des lancers de dégâts. Ah, c'est pas job là. Donc tu me fais rien du tout en fait. Ok. Bon, moi dans l'équipe, je suis la personne qui fait des lancers de dés pour rien. La balle s'est fichée dans la table. C'est ça. Donc Sledge est en difficulté puisqu'en plus il n'a rien su faire de son. De son tir, je comptais éliminer Pulse, donc j'ai fait 1, 2 de déplacement, je t'ai localisé, 1, 2 de déplacement. En tir, on localise 3, automatiquement. 4, 5, je vais me planquer tu ici. Passes par où là hein je... Ah oui, non, pas du tout. Il a rêvé, il a 1, 2, 3, 4, allez, je me mets ici, okay. Et j'arrête ici mon activation. Très bien. Et je vais me dépêcher, je vais utiliser H, je vais retenter cette histoire. Donc H s'active, hop, elle redescend ici pour 1. Ah, ça a l'air plus safe. 2, non, un 2 plutôt, et elle va tirer sur Pulse qui est localisé grâce au tir de Sledge, ça a au moins servi à ça. 3, 4, 5, 6, comme tout à l'heure. 6, j'ai une protection lourde. Toujours la même protection lourde. H, pardon, où tu es, donc toujours 2 rouges, un orange, un jaune. Ça devrait aller ce coup-ci. Hein. On va voir. Hein, et il a déjà perdu 2 PV. Hein. Jusque-là. Il n'y a plus que 3, hein, les gars. Ah là là, c'est une catastrophe. Oh, t'es pas bon. Ah bah il prend qu'une blessure, hein. Donc ça c'est annulé par le couvert, et du coup il en prend qu'une, c'est moche. C'est... Ça fait 4, bon, c'est... Il lui reste un point de vie. Non, oui tout à fait, il me reste un point de vie. Je redescends là pour couvrir ce qui se passe ici, hop, et je vais vite activer Termite, tant qu'il est encore temps, Termite qui va donc ici... en difficulté lui-même quand même. Il va faire une action de détruire la barricade ici. Première action. 1, 2. Ouais, c'est pas terrible, mais je me mets en surveillance. Mais j'ai fait des bêtises, mais il faut que je fasse attention à ce temps, c'est à toi. Mais tu te mets en surveillance. Très bien. Bon, j'ai un gros problème avec H, parce qu'elle est en surveillance. Elle me voit. J'ai pas très envie qu'elle me retire dessus. Elle a quoi comme dé? Elle a longue. Ouais, elle peut encore faire mal. Hein. Allez, bandit. Il va faire 1. Il va se pencher. 2. Tu réagis, Marc, ou pas? Non, non, je réagis pas. Tu ne réagis pas. Très bien. 2. 3. Il se enlève sa position penchée. 4. Il se met là. 5. Il se met en position penchée. Ici.
Tu réagis, Marc, ou pas? Oui, allez, je vais tenter un tir. Ok, je valide le tir. Je suis persuadé que j'ai la ligne de vue depuis ici. Donc je te tire dessus. Vas-y. Donc je tire avec hache. Et moi j'annonce une protection lourde. Hop. Oui, oui, bien sûr, t'as ta protection lourde. 1, 2, 3, 4, 5. Tout à fait. 5 avec hache. Hache, ça fait mal. 2 rouges, 1 jaune, 1 orange. Hop. Bon, cette fois, hache, je fais pas. J'ai une idée derrière la tête. Hein. Alors, tu m'en mets 3 quand même dans les dents. Hop. Il y en a 3 qui passent. Il y en a 3 qui passent. Alors, j'enlève ça pour au profit. Bandit s'est pris. Finalement, 2 blessures parce que t'avais une. Voilà, j'avais 5 points de vie au total. Grâce au. Voilà. Et donc là, il a pris 3 blessures. Donc il n'y a plus que 2. On peut relancer. Et du coup, moi, je lance. Bah, on peut s'arrêter tout de suite parce que je te lance une nitro dans les dents. Donc je dépense une nitro, une C4. Voilà. Et vu qu'on est à la même distance, la ligne de vue est validée, en fait, je la lance à ses pieds. Quoi, voilà. Donc, monsieur Lagroix, vous allez vous prendre 2 dés orange. Et là, il n'y a pas de protection de toute façon. Alors, il n'y a jamais de protection contre les gadgets. Voilà. Et en plus, il bénéficie d'aucune protection parce qu'il est adjacent à aucun obstacle, aucun mur. Voilà. Et c'est le décès de H parce que moi, j'ai de la chance. Oh là 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 là. Donc là, c'est la bombe. Bon. À la nitro. Alors, c'est pas le décès, c'est l'élimination. Tout à fait, l'élimination. Je relance le temps. Avec sa deuxième action, Bandit se remet en surveillance. Hop. Ensuite, Tachenka. Ok, on va tenter la ligne de vue par ici. Alors, on va se mettre là. Je suis sûr qu'il l'a pas. Donc, 1, faire 2. Et de tirer dessus, Marc. Je fais pause. Ok, tu tires sur. Sur Sledge. Tu tires sur Sledge. Il se trouve à 4 cases de distance. Ok, j'accepte. Je annonce aucune protection. Il n'y a pas de protection. Et tu ne déclares pas une réaction avec. Avec Termite, j'aurais pu tenter, mais je pense que la ligne de vue n'y est pas. Hein. Donc tu préfères pas prendre le risque. 13 combien de temps de toute façon ? C'est-à-dire qu'il me reste 5 secondes. Donc je sais quoi faire avec Twitch si je peux l'activer. Et si tu te trompais sur ta réaction, tu ne peux plus rien faire. Je ne peux pas activer Twitch. Donc là, moi, je fais mon tir. Donc je suis à 1, 2, 3, 4 cases. Donc notre ami Tachenka, il a un rouge, 2 jaunes et un orange. C'est ce qu'il faut. 2 jaunes, voilà. Et tu n'as pas de protection avec Sledge. Alors, ça fait pile poil 5, ça. Hein. Allez, au revoir Sledge. C'est le décès. Hop, ça va vite. Hein. Ouh là là, ouais, c'est vrai que ça va vite, là. Donc là, j'avais fait 2 mouvements. Je vais relancer mon temps. Hein. Donc, 2 mouvements. 3, 4. Il se remet en surveillance. Il retourne à sa place. Il s'active, il arrive. Voilà. Il tire, il tue, il revient à sa place. Et... Il reste Twitch, moi il me reste 30 secondes. J'ai plus ce qu'à pas il jouer. Il élimine, pardon. Il élimine. J'ai plus ce qu'à pas jouer, j'ai Rook qui a pas joué. Tac, 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 tac. Je vais activer Rook plutôt. Okay. Il peut me redescendre. 1, 2, 3, 4. Il se penche ici et il se met en surveillance. C'est bon, j'ai fini. Marc, c'est à toi. Allez, j'active Switch qui va faire 1, 2, 3, qui va. Breacher ici, enlever et envoyer un de ses drones. Donc elle a détruit la barricade. 1, 2, 3, 4. Elle scanne, je jette un dé orange pour savoir combien de gadgets je peux détruire. C'est grâce à son super drone. C'est l'enfer. 0. Alors, on sera entre nous, et je crois qu'on est entre nous, on est dans une partie casuale. Moi, je lui autoriserais la relance. Pas chanceux, mais bon. Ah, sur les kills, tu l'as pas fait, mais sur ta peau. Ah bon, oui. C'est la vie, ça s'arrête. C'est la vie, ok. Tu te mets en surveillance ? Non, j'ai fait mes deux actions. T'as fait tes deux actions, en effet. Oui, mais c'est la fin. Ah non, il te reste à activer. Ouais, alors, et moi, il me reste 2 secondes, je vais pas les utiliser. Voilà. D'accord. Il me restait encore pulse à pouvoir jouer. J'utilise mes 2 secondes. Allez, c'est parti. On est prêt, Marc ? Ouais. Voilà, je me mets juste comme ça en surveillance. Voilà, c'est fait. Voilà. Parfait. C'est la fin de ce tour. On était au tour 2, en fait. Hein. C'est la fin de ce deuxième tour.
Donc, on va passer au troisième tour. Et alors là, tu vas voir combien de temps, Marc ? 2 minutes. Merci d'insister là-dessus. Donc, Marc a eu 2 opérateurs éliminés. Et moi, aucun autre. Donc, voilà. Je peux relancer. Donc, toi, tu as 4 minutes. C'est ça. Quand Marc, on en aura. On aura plus qu'une. Mais. Bon. Deux. Bon. Deux, mais avec seulement 2 opérateurs à jouer. Donc, de toute façon. Je procède à l'entretien. Oui, tu procèdes à l'entretien. Il y a eu des GD vraiment dramatiques de mon côté, tous quoi. J'ai... Ça fait partie du jeu. C'est la variance. Ça m'arrive plus qu'à d'autres. Il a moins de chance que les autres, faut le signaler. Est-ce que tu es prêt, Marc ? Je suis prêt. Ok, donc je lance le tour 3. Hop. C'est merci, parti. Merci. C'est parti. Ouais. Alors, c'est pas évident parce que lui, il a quand même pour objectif d'aller chercher la bombe. Et d'aller entreprendre une action pour la désamorcer. Donc, pour il peut aussi gagner en éliminant tous les adversaires. Absolument. C'est pas perdu. C'est jamais perdu. Je suis dans une mauvaise passe, mais peut-être que la chance va tourner. Absolument. Ok, je vais jouer Termite. Termite qui va utiliser un drone. Je vais mettre son déplacement. 1, 2, 3. Non, pas 1. 1, 2, pardon, merci. Mais non, mais il non, le non, déploie. Non, je le déploie. Non, non, 1, oui, je le déploie, donc c'est bon. 1. 2, 3, 4 pour localiser notre ami Pulse. Moi je pensais que c'était déployé ça, et puis ensuite fait. On compte, mais de toute façon ça change pas grand chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais passer par là, je vais faire 1, 2. Je monte à l'étage et j'utilise ma dernière action pour faire un surveillance ici. Et avec Twitch, je renvoie un drone. Hop, ici je retente mon dé. Cette fois-ci, la caméra est cassée et je monte à l'étage. Hop. Et voilà. Très bien. Donc tu m'as cassé ma caméra blindée, c'est pas très gentil. Allez, on bascule. Vas-y Marc. Alors, moi j'ai 4 minutes, j'ai 2 pelos qui sont là-haut, hein, qui m'attendent très tranquillement. Termite surveille cet accès-là, hein. C'est pas très gentil de sa part. Alors on va prendre Bandit qui va se dépencher. Enlever la position penchée. Pour 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, et il va se mettre. Donc il a couru, donc j'ai fait 7, donc ça, il a que 5 de mouvement, donc je vais utiliser une action pour courir et une deuxième pour mettre en surveillance. Ensuite, donc Bandit c'est fait. Donc je n'ai plus de démolisseur orange, hein, je suis un peu incapable de casser ce mur, ça m'embête pas mal. Donc j'ai plusieurs choses à courir, c'est un peu le souci. Donc. Bloqué, plus. Ouais. Bloqué dans ton propre, ta propre forteresse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, c'est pas mal ça. Ok. Donc, Pulse va courir. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ceux qui peuvent courir, qui ont 5 de valeur de mouvement, quand ils courent, ils courent de 5. Toujours localisé. Sa deuxième action, c'est qu'il se met en surveillance. Voilà. Ensuite, Tachenka va faire. Il me restera Rook. Et Tachenka va faire 1, 2, 3, 4, 5. Plutôt, donc il était là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme ça. C'est bon, je te bascule, il se met. Non, j'ai activé tous mes opérateurs donc. Ah, tu as activé tout le monde. Oui. Bah, j'en ai que 2. C'est pas faux. C'est tout pas... ça, tu as activé. C'est pas faux. Mais ils se battront jusqu'au bout, j'y vais. D'ailleurs, t'as peur, ça se voit. J'ai un peu peur. Il est fébrile. Non, c'est bon, je m'arrête là. De toute façon, j'ai plus de temps. Allez hop. Ce sera tout, monsieur. Le tour 3 est terminé, il faut nettoyer le plateau, donc il y avait un localisé pour lui faire peur. Voilà. Le dénouement approche. Donc pas de mort chez toi, et chez moi non plus, ça a été un tour d'observation. Et bah c'est parti Marc. C'est parti Marc, bien sûr. Je vais... Est-ce que c'est appuyé là? Ouais. Allez, on va faire... Un truc de sale chez Rook. Ouais, ça va pas être propre, je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est l'intuition. Je vais utiliser Twitch. Allez.
qui va descendre ici pour 1. Ouais. Je vais pas tarder à m'intéresser, toi. Je n'avais pas vu un truc. T'avais pas vu Tatchenka ? Je n'avais pas vu la caméra. J'étais pas, je n'étais pas prête à subir le feu d'une caméra. Elle est placée très vicieusement. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. En plus, je n'ai plus mes drones, puisque j'ai dû en utiliser deux pour enlever un pauvre gadget. Hop, du coup, c'est raté. Je vais activer Termite. Ouais. Qui va faire exploser ça ici avec sa charge, et donc ceci aussi, mais je vais me prendre du coup, hop, je te laisse me dire, le fait de déployer un gadget sur une case adjacente au barbelé de bandit. Mm-hmm. Donc quand un barbelé de bandit est adjacent à une surface renforcée, en l'occurrence soit un mur renforcé, comme on peut en voir un ici ou un ici, soit un accès renforcé, donc ils ont tous les deux ce symbole rouge, ça veut dire qu'il faut de la destruction rouge pour les casser. En l'occurrence, voilà, donc quand ces barbelés sont adjacents à des surfaces renforcées, elle les électrifie également. Et quand on déploie un gadget ou qu'on se déplace dans une case qui est électrifiée, on subit immédiatement deux blessures. Qui arrive à Marc. En tout cas, Termite. Termite, c'est sacrifié. Voilà. Hop. Par contre, il a explosé avec. Il a explosé charge. Avec. En effet. Avec la charge. Oui, la charge qu'a placée Termite détruit tout dans un rayon de 9 cases. C'est largement suffisant. C'est la grosse charge de Termite. Voilà. Bah d'ailleurs, tu casses ceci. Et je casse aussi le. On va mettre une petite brèche à la place. Voilà. Vas-y, reprends. Hop, je reprends. Termite va descendre. 1, 2. Non, 1, 2. Et il va lancer une smoke ici. Il va lancer une fumigène. Une fumigène, pardon. Hop. Comme ceci. Il reste 5 secondes. Ouais, et Twitch. Twitch ne fait rien en fait. Twitch ne fait rien. Elle reste là-haut. Ouais, non, c'est un peu... Non, Twitch va descendre, elle est obligée. Elle descend, 1, 2, et elle va courir son ami... Termite, hop. On verra ce que ça donne. Hop, voilà. Très bien. C'est à moi. Tu me bascules, Marc ? Je te bascule. Allez, c'est parti. Alors... Pop, Termite, il est blessé, hein ? Termite est blessé. Bon, il va mourir, alors. Allez, on tente ça. On va être très straightforward. Alors, Rook va s'activer. C'est pas mon meilleur, hein. Donc il va prendre un pour se dépencher, ce que je viens d'enlever là. Je vais quand même le révéler, parce qu'en fait, il est vraiment là. Je vais celui-là. Ouais, tu peux enlever l'autre. Donc il s'est dépenché pour 1, 2, 3, 4. Il se met pile poil en face et il tire sur Termite. Mais je te tire dessus avant avec. Tu me tires dessus la dame. Avant avec la petite dame. Ok, tire. Vas-y. Twitch, ça fait 2 rouges, 1 orange. T'as pas de couvert. Hop, t'es là. Brèche, 2 rouges, 1 orange et 1 jaune. Oula! Ça peut faire mal, ça. Ça peut faire très très mal. Ça dépend, c'est moi qui... Oh, c'est incroyable. Donc il me met quand même 3 blessures, hein. Un jet tout pourri. Ah, c'est pas possible. Mais il me met 3 blessures. J'ai 6 points de vie. C'est quoi tes balles Non, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai pas... Cette partie-là, c'est... Et du coup, je vais tirer sur notre ami Termite. Avec un rouge et un orange. Hop, je mets pause. Ah, attends. La Twitch, elle est toute neuve ? Oui. On va peut-être crever dans l'opération de toute manière. Allez, sur Termite. 4. Mais il est mort. Désolé. Mais là, tu peux lui retirer dessus. Ah bah, il est vraiment mort. Mais... Oui, non, mais Termite est mort. Mais elle, vu que je viens d'accomplir l'action... Oui, bien sûr, t'as raison. J'ai tout à fait raison. Je vais retirer avec Twitch, merci. Il est localisé, hein, parce qu'il s'était fait tirer dessus la première fois. Hein. Alors, Twitch, normalement, on peut pas ne résister à ce GT, là, c'est... En effet, on ne résiste pas à ce jeu de dés. Donc, l'ami Doc est retiré. L'ami Rook, pardon. Et je relance. Bah, mon temps est reparti, d'accord. Okay. Donc, Twitch, elle a fait ça. Très bien.
J'ai tout un plan pour toi, Twitch, tu vas aimer. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va le lancer à 4. À 4, il va lancer. C'est un fou. C'est un gueudin. Il va lancer une de ses grenades incendiaires, la Mitachenka. Ah, c'est beau. Voilà. Et donc, il va nous la mettre par ici. Histoire que si Twitch a envie d'aller se balader, ça va lui coûter d'aller se balader dans le feu. C'est pas très agréable. 5, il se met là et il se met en surveillance. Donc là, j'ai joué Tachenka, il me reste 2 minutes. J'ai joué Rook, il me reste Bandit et Pulse. Alors, il aurait peut-être envie. Bon, Termite est mort, donc il n'y a plus de ça. Il aurait peut-être envie de continuer de faire autre chose. On va lui couper ses retraites. Hein. Je crois que c'est ce qui a l'air de mieux à faire. Donc, Bandit va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il monte à l'étage et il va mettre une surveillance. Dans mon dos. Dans le dos. Voilà. Ah, bah, et je m'arrête là, moi, Marc. C'est bien, mais moi j'ai fait toutes mes activations maintenant. Ah, tout à fait. Et ben, je continue, Marc. Il me reste juste l'ami Pulse. Alors, ah, Pulse, il a envie d'être sale, hein, lui aussi. Hein. Il a peut-être moyen de terminer le truc, hein, donc... Ah oui, mais non. T'es un peu trop bien protégé, là où t'es. Alors, 1, 2... Oh, cocu. Ça va disparaître, ça veut dire que tu me verrais... 1, 2, 3, 4... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Dans le feu, Pulse, dans ton ouais, feu. Ouais, il n'y a pas très envie. Hein. Ça fait combien de dégâts le feu? Un des rouges. Un des oranges. Bon, allez, Pulse. Et le gaz toxique, c'est un des jaunes. Hein, de smoke. Toxique, allez, Pulse, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Et alors, soit je peux balancer une grenade à Twitch dans ses pieds, elle va pas trop aimer, mais bon, elle est penchée. Ah oui, non, elle s'en fout. Soit je me mets en surveillance, ce qui a l'air plus malin. Donc je crois que je vais me mettre... Et il reste encore deux mouvements, il va faire ça et ça. Il vient ici pour se pencher là, et il se met en surveillance. Et c'est bon, j'ai terminé. Très bien. Bon, c'est la fin du tour 4, il reste plus qu'un tour survie. Pour... Mais alors, on retire tout. Si jamais j'arrivais à mettre à bon bord désamorçage au cinquième tour, on aurait le droit à un tour de prolongation. Voilà, ce sera mon objectif. Mais on peut remettre nos petits opérateurs. Alors là, maintenant tu as perdu un opérateur, donc tu perds 30 secondes. Non, je vais perdre une minute en fait. Une minute, pardon. Tu vois, là on procède à donc passer aux opérateurs. Qu'est-ce que tu as fait, Marc là? Finis le tour. Donc, passe tour 5. Ah non, j'ai une perte. Ah, pardon. Hop. Voilà. Et toi, t'en as une aussi. En effet. Donc, 1 minute pour Marc et 3 minutes pour JB. C'est ça. Et c'est parti d'ailleurs. Bon, alors, ça va être assez compliqué. Mm-hmm. Bon, tu fais une case en avant, une case en arrière, je te tire dessus. Oh, mais fais le malin. Je vais commencer par jeter une grenade fumigène. Oh, il va rien voir. Voilà. You can run, but you can't hide, mate. Ok. Ouais. Ça, c'est fait. Et maintenant, je vais me déplacer. Donc, j'enlève un. Donc, si je veux avoir une chance de gagner, il faut absolument que je tente ça. Mm-hmm. Le désamorçage. Donc, un. Mais ce sera sans doute ma dernière action, du coup. Un. C'est pour le fun. Un, deux. 3. J'utilise ma deuxième action pour désamorcer la bombe. Donc à partir de ce moment-là, on enlève l'autre. Et on retourne celle-ci. 1, 2, et puis je vais me cacher ici. Voilà. Ah, tu peux même pas te mettre en surveillance. Je vais rester là. Ça a l'air mieux de rester caché dans ton lieu. Non, parce que malheureusement, tout seul, c'est difficile. Hein. Tout seul, j'ai utilisé mes deux actions. Une fumigène pour ne pas me faire repérer. Et la deuxième action, c'est de désamorcer la bombe. Et donc tu peux pas être en surveillance. Non, c'est ça. Je reste caché dans mon nuage de fumée, mais... Bon, ça va. On va pas se leurrer. Hein. Alors, t'es dans ton nuage, mais t'es pas en protection, hein. T'es pas en surveillance, hein, et tu vois rien de toute manière. Bon, on va pas se leurrer, il est foutu. Toi, hein. Tu vois rien. J'ai tout l'arsenal pour le tuer.
trois opérateurs. On va commencer par le plus simple, en fait. On va commencer par Pulse, qui, bêtement, en fait, son action spéciale, c'est qu'il est capable de localiser quelqu'un à 4 cases de distance, en ignorant les murs. Voilà, il s'en fout, en fait, de Balois. Il entend ses cœurs, son cœur qui bat. Donc, elle s'accélère. Est-ce qu'il va battre encore longtemps, ce cœur? Donc voilà, il a localisé Twitch qui est caché dans son nuage de fumée. Et puis, bah, deuxième action, il va bêtement lui tirer dessus. Tu vois. Je vais même pas essayer de faire quelque chose de malin parce que bah, j'ai trois opérateurs, ça devrait bien se passer. Alors, l'ami. Bon, Twitch est en pleine forme. Hein. Twitch est en pleine forme. Imagine, tu rates tes lancers de dés là. Mais j'ai encore une nickel. Ça arrive. Hein. Ça peut arriver, Marc. Ne rigole pas, ne se fout pas de sa gueule. Ça peut arriver. Alors, ça, c'est Pulse qui tire sur Twitch. Eh ben, il prend déjà 4. Tu vois, déjà, je suis en forme. Tu vois, il lui reste un point de vie. C'est bon. Ah oui, c'est très bien. Bof, j'espère une autre, j'espère un autre jet de dés. Donc voilà. Pulse a terminé. Et là, bon, j'ai le choix. J'ai Bandy qui peut descendre par ici et la finir. J'ai Tachanka qui peut y aller. Écoute, Tachanka, il a pas souvent l'occasion. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Il va se mettre là. Première action. Et il te tire dessus avec sa grosse batteuse. Donc un rouge. Ah oui, parce qu'elle est localisée, donc il la voit. Et deux jaunes. Techniquement, j'ai même pas besoin de lancer les dés parce que sur le dé rouge, il n'y a pas de face vierge. Donc. Mais elle a quand même un couvert. Un petit couvert. Derrière la bombe, la bombe est considérée comme un obstacle. Donc tu as quand même 2 de défense. Et bah moi je fais quand même la baguette de 6. Moins 2, ça fait 4. Son opérateur. Et il me restait encore Bandy. Et voilà. Bon. Merci. Désolé pour nos jets respectifs qui ont. Bravo. C'était. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on joue. Je pense qu'on pas très longtemps. Et on a vu pas mal de choses se passer. On a vu que les dés peuvent avoir aussi une importance, mais il faut faire avec. C'est comme ça. Voilà, c'est un... Après, bon, il y a eu des petites erreurs de part et d'autre. Exactement. Ça c'est grâce au timer. Évidemment, le timer nous fait faire des erreurs. Ouais, moi, j'aurais jamais oublié. Bon, on est pris dans la première activation, c'est évident. Ben voilà. Dans le feu de l'action. Mais justement, c'était très bien. Ben voilà, vous venez de voir une partie en français, faite par des gens qui connaissent bien les règles, donc il n'y a pas eu d'erreur de règles. Alors on les a laissés jouer, encore une fois, on les a pas interrompus, on n'a pas tout commenté, parce qu'il y aura d'autres vidéos que vous verrez où, justement, tout est plus expliqué, analysé au fur et à mesure. Vous aurez une autre partie en anglais. Alors, on essaiera, si on peut, de mettre les sous-titres en français, si ça vous intéresse. Ils vont jouer une partie en anglais. Un autre scénario, en inversant les rôles attaquant-défenseur. Mm-hmm. Et donc, je vous invite aussi à la regarder, si ça vous intéresse. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Merci. À bientôt. À bientôt.